aujourd'hui, j'ai reçu la pochette surprise de Mademoiselle Madeleine. Donc, je ne sais plus si c'est au mois de juin ou juillet. Je me dépêche de faire la vidéo parce qu'aujourd'hui, ils ont prévu une canicule d'enfer. Alors, je vais vous présenter. C'était dans une boîte comme ça. Mademoiselle Madeleine, vous voyez, qui fait des box surprises. C'est la mode des gadgets. Vous verrez. Je vais l'ouvrir. Bon, la poste, ils ont un petit peu cabossé le carton, mais normalement, j'espère que ça ne va pas esquinter l'intérieur. Allez, on va l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, c'est fait, mon petit cutter célèbre. Alors, ça se présente comme ça. Là, c'est ma facture au-dessus, sinon un papier rouge. Voilà, transporteur colissimo simple, une quantité, c'est la pochette surprise des grandes filles. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et elle m'a surligné une quantité transporteur colissimo simple. Oui, c'est colissimo sans signature. Allez, on passe à l'essentiel. J'enlève le petit papier rouge. Et dedans, il y a la petite pochette surprise qui est célèbre pour ça. Elle est argentée. Hop là, voilà. L'objet en question, c'est toujours avec un petit nœud et le label. La pochette surprise à usage des grandes filles de Mademoiselle Madeleine. Qui est une très jolie pochette. Alors, on va l'ouvrir. Parce qu'il y a un peu dedans quand même. Alors, voilà. Ça se passe comme ça. Alors, il y a, celui-là, pour ne pas le rater, des ventes privées. Voilà, du 17 au 26 juin 2013, à 30%. Sur une sélection de bijoux et accessoires de mademoisellemadeleine.fr. Voilà, c'est le petit. Il y a souvent, elle met toujours un petit coupon de réduction. Elle a une boutique à Nîmes et elle vend des objets de décoration. Alors, il y a une petite carte qui est très jolie d'ailleurs. Vous voyez, c'est une femme dans le jardin secret de Madeleine. Une femme qui observe quelque chose, habillée en tenue estivale avec des plantations, tout, on dirait. Du lierre peut-être. Voilà, et c'est marqué le menu. On a toutes des petits mystères que l'on n'a pas envie de révéler. Excusez-moi, je commence super bien. Mais parce que c'est vous, Mademoiselle Madeleine, vous ouvre les portes de son jardin secret. Voilà, c'est petit jardin secret. Un secret, ça ne se dit pas. Mais on peut l'écrire. C'est un joli carnet business, et oui, mes secrets ne sont pas les vôtres. Alors, je vais essayer d'ouvrir à fur et à mesure. Je vais tout sortir, comme ça. Hop là. J'ai tout sorti. Je crois que je ne sais pas si je vais faire à fur et à mesure parce qu'il faut que. Voilà, j'ai trouvé le carnet, il est magnifique. C'est une femme, mes secrets avec des papillons, j'adore les papillons en plus. Mes secrets ne sont pas les vôtres. Voilà. Pas si on le voit bien. Voilà. Ce n'est pas ouvert, derrière c'est marqué ici. Et c'est un petit. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. C'est le petit menu. Je reviens. Alors, c'est un petit carnet blanc. Hein. Vous voyez, avec des pages blanches pour écrire des notes, les courses. Enfin, il est très joli. J'en ai d'autres, mais celui-là, il est particulièrement mignon. Voilà, voilà, pour le petit carnet.
Alors, la suite. Il y a un joli truc, là, je vous montrerai. Un joli carnet Bisney. Et oui, mes secrets ne sont pas les vôtres. Et un trésor, ça se cache dans une jolie boîte Natacha Farina. Attention, capitaine Jack les surveille. Un souvenir, une idée, un cadeau, une lettre, un poème. Cachez-y ce que vous voudrez. Alors là, j'ai un gros coup de cœur parce que ça, j'adore. Voilà. C'est un petit crâne. Avec des coquelicots à paillettes. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Et là, je sais pas, ça fait du bruit. C'est un petit pot. Et dedans, il y a un petit papier. Et c'est marqué quoi ? Malheur à celui qui ose s'aventurer ici, trésor caché. Voilà, c'est très joli, regardez. Un petit crâne. Je vais essayer de le passer sur notre caméra parce que non, je peux pas là. Mais je pense que vous le verrez quand même. Avec un petit crâne. Voilà. Malheur à celui qui ose s'aventurer. Ça très mignon, ça fait un peu pirate. Ben, j'adore la boîte. Justement, je l'ai regardé sur la boutique et c'est chose faite, j'ai reçu une petite boîte. Je t'en remercie. Alors, après, un jardin secret, c'est un lieu merveilleux qui nous appartient. On s'y sent bien pour penser, respirer, s'évader, oublier. Ce petit lapin tout mignon est le gardien des clés de ce lieu imaginaire. Alors, le petit lapin, voir si je le trouve. Oui, j'ai une petite pochette comme ça. Non, c'est pas celui-là. Le petit lapin, c'est ça. C'est dans un petit papier bleu, comme ça, avec un petit scotch. Voilà, c'est bien enveloppé. Waouh! Oh, c'est super mignon! Voilà le petit lapin. Ça ressemble aux objets kawaii, vous savez. Japonais. Il est super mignon. Regardez-moi. Oh, ça va être mon nouveau porte-clés, je sens celui-là. Derrière, vous voyez, c'est rose. Il est super mignon. Ah, j'adore. Avec sa petite fleur. Vous voyez, ça, c'est bien solide. Alors, comment ça s'ouvre ? Oh, je vais trouver. Là. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Voilà le petit lapin. Hop. Oupé, il est tombé le petit lapin. La nuit a été achetée. Alors, gardez toujours avec vous cette clé de gaz bijoux, ou gaz, G-A-S. Elle vous permettra de vous rappeler qu'il y a un petit endroit rien qu'à vous pour oublier vos petits soucis et rêver de grand bonheur. Mademoiselle Madeleine vous réserve de nouvelles surprises le mois prochain, mais chut, c'est un secret. Voilà. C'est le petit menu qui est super mignon, vous voyez. Et je vais vous montrer le gaz bijou. Oh, j'adore. C'est dans une petite pochette comme ça. Un petit peu sable. Voilà. Hop. Et c'est dans un petit papier noir. C'est un bracelet. Oh, il est super mignon. Voilà. C'est... Je crois que c'est un petit bracelet parce qu'il n'est pas très grand. Ah, mais il doit s'élargir.
Attendez, je vais regarder. Voilà. Il y a une petite clé. Qui est marqué quoi dessus? Saint-Tropez, c'est marqué dessus. On ne le voit pas forcément. Voilà, c'est une petite, je m'éloigne, une petite clé. Avec marqué Gap Bijoux en pastille. Et qu'est-ce qu'elle a dit que c'est Alors, elle dit que c'est une clé de Gap Bijoux. Alors, c'est un peu petit pour un bracelet. C'est une clé. Alors, à moins que je mette ça en comme une bague, je vais essayer parce que vous voyez, c'est un peu petit pour un bracelet. Je vais voir. À moins que ça se met sur le porte-clé. Bon, moi j'ai trouvé une utilité bien à moi, hein. Je l'ai mis en bague. Voilà. Je vais essayer de mettre dans le majeur. C'est dommage que ça soit pas un bracelet parce que je l'aurais plutôt mis en bracelet moi. Voilà, je n'ai pas d'autre utilité que comme ça, où je ne suis pas bien réveillée. Ben voilà, j'ai vidé tout, et je vous fais un bisou, et puis je vais me tenir au frais, parce qu'aujourd'hui, ils ont prévu 34 degrés. Allez, à bientôt!